Je voudrais aborder le sujet d'Halloween. C'est sympa pour les enfants de se déguiser en cow-boy, en astronaute ou en ballerine et de partir à la chasse aux bonbons, mais cette mode chez les adultes de glorifier Spider-Man en se costumant comme lui ou ses semblables, surtout dans le contexte actuel, ça me débecte. Hein? Qu'est-ce que vous en dites, Gino du Bronx? Bah, je comprends ce que vous dites, mais ma copine s'est trouvé un costume sexy Spider-Girl. Et ça, franchement, ça pimente vraiment nos soirées, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non, absolument pas. J. Jonah Jameson n'est pas du genre à porter des jugements. Mais vous, mon brave, vous avez un gros pet au casque. Bonne journée! Oh mon dieu. Yo, c'est Brilace, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Spider-Man Remastered sur PS5. Et on va faire une petite pause au niveau de l'histoire, on va s'intéresser à débloquer des endroits particuliers, on va dire ça comme ça, sur la carte du coup, et on va déjà faire les satellites, satellites restants en fait, enfin les tours de surveillance, j'appelle ça les satellites, mais les tours de surveillance, donc ok, donc c'est parti, let's go. J'ai aucun réseau. Je dois trouver d'autres tours à activer. Nickel. Ah voilà. Ça, c'est un travail rendement mené. Il y a déjà un crime là, dans le coin. Apparemment. Ouais. Eh ben, on va aller le faire. Ça va m'occuper un peu. J'ai dit, on ne refait pas le coup de l'hôtel de ville. Coucou. Non, désolé. Pas bien ce que t'as fait là. Ok, je peux désamorcer l'engin principal maintenant. Les déclencheurs des bombes sont reliés. Alors attends. Y a un plus de plus droit et un moins. Ok. Let's go. Super, voilà, nickel. Désamorcé. Quoi? Comment ça, des autres? C'est une blague? Ah, la blague. Spider-Man, pas de gaffe, des snipers. Hein? Comment ça?
Allez. Oh là là, je suis trop lent. Ça. Moi perdu, je crois pas, non. Merde, elle est où l'autre? Elle est là. Hop là. Il faut que je m'occupe de ces snipers. Ils pourraient viser la police. Ok. C'est comme si c'était fait. Olé. Ok. Attrape. Attention à vous. Quel bordel. Allez, on va se faire un truc de... On va se faire un truc là-haut là. Hop. Au scorp. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'allume là d'abord. J'avais oublié. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est un peu obscur, mais cette station... Mais cette station surveille le réseau cellulaire de la ville pour détecter de potentielles vulnérabilités. On n'y pense pas, mais ces téléphones qu'on range dans notre poche, un agent dissident n'aura aucun mal à s'en servir pour... comme arme si on baisse notre garde. Ok. Ok, ok. Cette station est un de mes projets personnels. Elle surveille le réseau mobile qui, d'après moi, est particulièrement vulnérable aux attaques terroristes. Tu peux regarder si tu trouves quelque chose de suspect. Pas d'activité terroriste en vue, mais un bug du système qui provoque des interférences. Si je le corrige pas, ça va faire planter tout le réseau. Pour l'instant, ça n'affecte que les équipements les plus sensibles, comme les miens. Je dois rester hors de la zone d'interférence pendant que je répare les antennes relais. Voilà, j'ai réglé mes lentilles pour qu'elles m'indiquent les zones de danger. Il faut que je répare les antennes relais avant que les communications de la ville soient agissent. La taille de la zone affectée varie. Je dois me tenir prêt à un changement soudain. Ah oui, d'accord. C'est l'inconvénient de la technologie de mon masque. Ça fait mal. Merde. Ok. Et de une. Mais je dois en réparer encore trois pour résoudre le problème. Je pourrais utiliser ces hélicos pour me balancer. Tout dépend des réseaux mobiles de nos jours. Un plantage affecterait les hôpitaux, la police. Comme une coupure générale. Je dois faire vite. Bientôt tout le système sera hors service. L'impression que mes tympans allaient éclater. Bientôt tout le monde ressentira ça. C'est bon. J'en suis qu'à la moitié. J'aimerais pouvoir résoudre le problème pour tout le monde, sauf ceux qui utilisent leur portable au cinéma. Ah. Ça devient de pire en pire. J'ai plus beaucoup de temps.
Les murs invisibles. Celle-ci est réparée. Ça me laisse un peu plus de temps, mais je dois pas ralentir. Pas une seconde à perdre. Ça va vraiment être juste. À nouveau étaler leurs disputes conjugales dans le métro. Et les services d'urgence peuvent travailler. Ça compte aussi. Si le réseau avait planté, ça aurait coûté une fortune à Oscorp pour rétablir les communications. Ils vont devoir conserver cette station. Le projet d'Harry devrait être sauvé. Voilà. Nickel. J'ai perdu un peu de vie dans l'affaire, mais bon. Tout va bien. Allez. On va faire le bâtiment qui est là-haut, là. Bah, je crois que c'est celui-là, non? Équipe sur place, ici le central. Comment ça évolue dans le quartier des affaires? L'avant-poste est assiégé par les démons. Qui m'appelle? Bonjour, bonjour. Spider-Man, vous tombez bien. Qu'est-ce que vous diriez de donner votre nom à des céréales? Je fais des cartonneries, voyez-moi. Mon nom à des céréales? What the... C'est pour ça que Jonah me payait une fortune. Besoin de renfort près de Trinity, terminé. Chers auditeurs, vous avez sûrement entendu parler de l'émeute à Empire State University. Mais ce n'est pas une histoire d'alcoolisation excessive d'une bande de blogueurs en proie à leurs hormones. Les autorités tentent de museler les témoins, mais, d'après mes sources, les démons ont drogué les étudiants pour les transformer en redoutables bulldozers. Où va notre ville, mesdames et messieurs, si nous devons craindre nos propres enfants, nos voisins, nos maris et nos épouses? Soyez vigilants, sur vos gardes, et surveillez de près ce barista avec un chignon masculin qui vous prépare votre latte. Vous pourriez être la prochaine victime. Bordel! C'est pas vrai ça! Ah, la fameuse recette des boulettes! Il manquait la dernière étape! Éviter de mettre le feu à l'appartement d'MJ. Cette poêle de compétence est pas mal! Non, justement, je fais esprit de faire une pause pour augmenter les points lors de la prochaine vidéo, quand on reprendra l'histoire, parce qu'on en aura forcément besoin. Là, du coup, pourquoi pas faire une quête annexe aussi, ouais, ça peut être pas mal. Petite quête annexe, mais peut-être à la fin, on fera peut-être à la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Black Cat, let's go. Assis là, je suis en train. Ça. Aux ordures. Félicia a l'air bien occupée, mais je la suis de près. Voyons où elle a frappé cette fois. Trouvé. Chez Cornelius Van Lund. Elle s'attaque à des pièces uniques. Elle travaille forcément pour quelqu'un. Sinon. Elle volerait que de l'argent. Équipe sur place, ici le central. Comment ça évolue dans le quartier des affaires? Le job des super-héros laisse peu de temps pour une bonne hygiène. Faut faire ce qu'on peut quand on peut. C'est pas possible ça. Évidemment, ils sont au-dessus. On va faire les débiles. Coucou. Ok, les occupants du dernier étage en ont vraiment marre de vos bêtises là.
dégage. Aïe. Ta gueule. Allez, dégage. Je devrais réclamer une fiche de paye à Silver Sable. Non, moi, lui, il est bugué complètement. Oh mon Dieu. C'est marrant. Ah, repère de fisc. Ouais, on va faire ça. Let's go. Équipe sur place, ici le central. Comment ça évolue dans le quartier des affaires? Poste de contrôle assailli par les démons. Alors, il y a un sniper. Enfin, j'en vois pas tellement des snipers. Hein. C'est un sniper, ça? On dirait. Ok. Yuri! Ce chantier me semble aussi réglo que les vendeurs à la sauvette de Times Square. Je n'ai pas assez pour obtenir un mandat. Allez-y, mais je pourrais pas vous couvrir. Comme d'hab, quoi. Ah oui, je fais à peine pas de bruit. C'est ça, ouais. C'était pas un sniper, ça, par contre. Faut que je trouve le troisième sniper, je sais pas où qu'il est. Ah bah il est là-haut. Et voilà le travail. Et maintenant, on fout le bordel. Allez, c'est parti, mon kiki! Boum! Bah, viens! Aïe! Aïe! Ah, bah, les esquives parfaites, c'est pas terrible, hein, pour l'instant. Tiens! 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 Ça, c'est pour le boss! Hop là, raté! Une! Oh! Sérieux? Fumez-le! Hop là. Hop là. Et deux, trois. Allez là, on y va les gars. Hop là. Hop là. Toujours pas. Hop là, encore raté. Hop là, encore raté. Toujours raté.
fermé définitivement. Maintenant, on s'amuse. Allez, fils, va nous faire la peau sur les grands aquas, prendre le respect. C'est trop loin. Le boss en a ras-le-bol. Pas les laisser nous battre, et moi aussi. Raté, c'est encore. Encore raté. Salut. Vous êtes en retard. Vous en faites pas. J'ai encore plein de grosses mandales en réserve. Entourez-le. Sur le côté. Devant les indiennes. Coco. Sale étoile. Je vais t'apprendre le respect. On va t'apprendre le respect. Moi je t'apprends comment danser. Hop là. Sérieux? Y'en a d'autres? Eh moi j'ai pas autant d'amis. Entourez-le. Wouh. Ça swing par ici. Spider-Man, j'ai vérifié les bons livraisons. Et ce chantier reçoit des livraisons société écran du cartel. Transporte de la drogue, hein. Mais pour longtemps. Il n'y a pas de toi. Vous allez chercher, ouais. Allez. Ok, j'arrive. D'accord. Oh, génial, il y en a d'autres. Les gars, fils qui est pas là, vous avez le droit de sécher. Boum. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Boum. Encore des renforts? J'accepte uniquement si vous vous pointez dans une voiture de clown. Oh, ça va faire mal. Oh! Oh! Toi, tu vas le payer. C'est pas toi le lanceur de roquette? Il est où le lanceur de roquette? Hop là! Ah, vous êtes là-haut! Olé! Eh, hey, tu veux connaître ta meilleure? C'est que tu sais bien voler. Le travail. Ouh. Ah. Yuri, il y a un tas de criminels déjà neutralisés et un stock de drogue de haute qualité qui n'attendent que vous. Super, je ferai passer ça pour un tuyau anonyme. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre maintenant? On va finir sur une quête annexe, je pense. Juste aller récupérer les... le sac, là.
Hop là. Ah. Le crash qui a coûté la vie de mes parents n'est un secret pour personne. Mais tous ignorent qu'ils bossaient pour le gouvernement. J'aurais aimé en savoir plus sur eux. Alors on va faire les trucs qu'il y a là aussi parce que ce truc aux extrémités là, je suis pas sûr de revenir tous les 4 matins. Hein. C'est pour moi tout ce chantier ? Mais non, mais j'ai pas le temps. Pas m'amuser à toujours les friter ceux-là. C'est moi un peu de temps de répit là. Hop là. Désolé. Ah, c'est sié. Magnifique. Il y a encore un sac là, hop. Je pense que j'irai faire aussi le pont après là. 10-30, attention, tentative de vol sur un véhicule blindé. Le signalement provient de Seaport. Salut les bitches. Ouais, le travail. Pourquoi les démons auraient besoin d'autant de liquide? Fallait pas me chercher. Non. C'est de beaux rêves. Putain, je voulais même pas faire ça. Bruh. 10-34, des terroristes attaquent des agents, coup de feu tiré. Besoin de renfort près de Trinity, terminé. J'avais acheté cette calculatrice graphique d'occasion. Elle m'avait lâché en plein examen de trigo. Comme quoi, elle valait ce que j'ai payé. Ah. Bon allez, on va finir en beauté. On va faire une... Ah oui, il faut faire ça d'abord. Après on fera... Oh, il y a un truc de drone. Bon, on fera la quête annexe après. Hein. Je pense que le drone, j'aurai pas le temps. Pardon. Oh merde, j'ai raté.
Police? Ah. Pigeon ciblé. Hein, oh, pigeon. Et en plus, il est rapide. Merde. J'avais pas vu ça. Oh bah tant pis, je vais aller chercher. J'en ai pas pour longtemps. Ah, le travail. Non, mais où? Spider-Man, la volière se remplit. Rosa vient de rejoindre ses frères et sœurs au bercail. Content de vous aider. Vous les connaissez bien, ces petites bêtes, on dirait. Ça avance. Sandra les a toujours connues mieux que moi, bien sûr. Sandra? Oh, ma femme. Eh bien, félicitez Sandra pour ses oiseaux. Oh oui, d'accord, d'accord, Spider-Man. Merci encore. Et s'il vous plaît, continuez de chercher. Spider-Man, une petite minute. Bon, je sais que vous avez piraté les tours de notre système anti-crime. Non, c'était pas moi. Je veux dire, quel tour? Laissez tomber. En fait, j'ai besoin de votre aide. Je pense que quelqu'un brouille le signal et que cette personne utilise plusieurs dispositifs pour couvrir toute la plage de fréquence. Vous voulez bien jeter un œil? Ouais. Idée, je dirais rien à personne pour le piratage. Je vois plutôt ça comme du partage, même. Ok. Les brouilleurs émettent un signal identifiable. Il suffit de me balader dans le quartier des affaires à sa recherche. J'ai trouvé un signal. Il me suffit de le suivre. Pour être efficace, un brouilleur doit être placé le plus haut possible. Des hommes de fisc. Ça coucou les enfants. Quoi? Je détruis ce brouilleur. Mais quel travail! Travail de pro, ça. Ah, il y en a encore? Ça m'aurait pas étonné. J'ai détruit un dispositif de brouillage. C'est mieux? Non, mais comme je le disais, il devrait y en avoir plusieurs. Logique. Je vais les trouver. Je me demande si c'était pas les hommes de Fisk qui avaient neutralisé le système au départ. Des malfrats réunis sur un toit, ça sent l'embrouille. Ils m'emmerdent par contre là-haut. Je m'occupe d'eux.
stock est foutu maintenant. J'arrive. Oh mais tu gardes ta merde. Sérieusement. On se débarrasse du brouilleur. Parfois, tout casser est une solution. Et ça fait du bien. C'est pas fini. Apparemment. Spider-Man, ça fonctionne. Je commence à capter un signal faible. C'est confus, mais je crois qu'il est question de Fisk et de tenue. Fisk était un trafiquant, mais il faisait pas dans la contrefaçon de vêtements. Plus vite j'aurai restauré le système, plus vite je saurai ce qui mijote. Reste plus qu'un brouilleur. Allez, let's go. Ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire. Trouvé. Et c'est plié. Il va le voir. Jerry? Tom? Oh, pff, il a pris cher lui. Elle travaille. Bien, c'était le dernier. Le système devrait à nouveau fonctionner. Spider-Man, le système anti-crime est reparti. Super. Du nouveau sur les hommes de Fisk ou ses tenues? Non, mais le système signale une activité illicite quelque part sur les quais. Je vous envoie les coordonnées. Je vais voir ça. Ok. Je dois arriver sur les docks avant qu'ils s'échappent. Suffisamment pour monter une petite armée. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec ça, mais ça me plaît pas. Il faut que j'en sache plus sur ces armes. Soit dehors ou en tôle, le boss reste le boss. Tu dis plus rien, Franck. T'es endormi ou quoi? Franck? Merde. Allez voir ce qu'il a. Non.
Peter Parker. Pas grand chose. Comprendre ce qui se passe. Des armes, des uniformes de gardiens de prison et des faux papiers. Ils comptaient faire sortir Fisk du raft. T'es sûr? Eh ben, y a du monde ici. Le plan d'évasion tombe à l'eau. Allez, c'est parti! On va danser! C'est vraiment pas ton tour! Non, 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 pas moi! On est trop nombreux pour lui! Oh bah oui! Comme si j'avais peur de vous! Je veux te voir mort! Écartez-vous! Démonter. La police de New York va pouvoir prendre le relais. Tout est bon de mon côté aussi. Merci d'avoir restauré le système, Spider-Man. Je dirai à personne que vous êtes connecté, mais si vous vous faites prendre, il faudra pas compter sur moi. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Si vous permettez, j'ai des selfies à effacer sur les serveurs du système anticrime. Bon, ben voilà, on va s'arrêter sur ça, du coup, et on fera la prochaine fois, quand il y aura l'histoire. Je sais même pas combien de niveaux je suis maintenant, niveau 23, bah, c'est bien ça. J'ai 8 points de compétence, bon, on fera ça lors de la prochaine vidéo. Apparemment, j'ai même des nouvelles tenues, donc on verra ça, on changera peut-être même de tenue, du coup. Voilà, donc du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouvera très prochainement pour la suite. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao. PlayStation.